Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de loi pendant que la justice s'applique. Il n'y a pas de loi. Pour que la justice s'applique, il faut une loi. Il n'y a pas de loi. On ne va pas la faire, la loi, sur la net neutralité. Donc ta justice, elle va s'appuyer sur quoi ? Les lois européennes, on vient d'échapper à ACTA. Là, il y a un nouveau truc qui est là pour le coup le copyright, hein, dans les grandes forces qui vont. Et qui est grosso modo la même chose qu'ACTA, qui a l'air bien parti pour passer. Donc non, la solution ne viendra pas de l'Europe. Sur le fait qu'il n'y a pas de loi, c'est pas une loi qui vient en place, c'est l'absence de loi qui permet. Absolument. Et il y a un rapport dans le récemment avec l'INE, qui disait justement que. Voilà, alors ça c'est l'embrouille politicienne française, c'est-à-dire que plutôt que de se focaliser sur le vrai problème de la neutralité qui concerne uniquement les fournisseurs d'accès, on va dire ah mais Google il n'est pas neutre, mon cul il n'est pas neutre, et ma voisine non plus elle n'est pas neutre. Et puis ma femme encore moins, donc fondamentalement, il faudrait vraiment rétablir la neutralité de ma femme, parce que c'est plus important que mon accès à Internet. Et donc je ne sais pas très bien comment je vais théoriser la neutralité de ma femme, mais je vais trouver une raison à la con qui va faire que je vais te noyer ton débat. Et c'est à peu près ce qui se passe. Neutralité des moteurs de recherche, neutralité de machin, neutralité de l'App Store d'Apple, neutralité de trucs, neutralité de net. La réalité, c'est que la neutralité de net, ça ne concerne que les opérateurs Internet, personne d'autre. Google n'est pas un opérateur Internet, à part dans un petit bled aux États-Unis. Mais Google n'est pas un opérateur Internet. Amazon n'est pas un opérateur Internet. Google, Amazon et consorts sont dans des positions de monopole, d'abus de dominance, de fraude à l'impôt. Ils ont plein de choses à se reprocher. Plein. La liste est très, très longue. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet.